Il n'y a rien à maquiller, il y a juste les yeux. Ah ouais, là pour le coup, on voit bien mon rouge à lèvres ou pas? Le rouge à lèvres, il est parfait. Hein. Ouais. Ah, bon, salut parfait. Tout le monde, salut. Bienvenue sur SFL et bonjour Cléo. Eh bah salut Marc. Ça va? Eh bah écoute, t'es pas trop mal. Je suis complètement déprimé. Ouais. Là, en ce moment, je vais très bien. Je vois vraiment pas pourquoi t'es déprimé. Il fait beau. C'est vrai. À un moment donné, on a la chance d'être intermittent du spectacle et du coup d'avoir cette liberté. Moi, j'ai pas mes de heures, pouvoir hein. bosser. Toi, t'as tes heures, désolé. Moi j'ai pas mes heures. Donc, bon, moi, oui. Salut. Salut. Voilà. Bienvenue sur Radiothérapie des musiciens. Tu peux me jouer un truc cool à la basse pour que j'aille mieux là? Un truc, je sais pas. Un truc plutôt gay quoi, plutôt. Ouais, genre, vas-y, ouais. Ah, c'est bien ça. C'est pas Twin Peaks ça, on dirait Twin Peaks. De David Lynch. Genre Twin Peaks quoi. Ah, genre c'est chouette. Twin hein. Peaks. Bon. Écoutez, voilà. Merci, c'était le premier cours de basse. Du coup, vous pourrez retrouver les partitions en ligne sur mon blog. Bon, bah, bienvenue à ceux qui sont là ou à ceux qui seront là pendant la rediffusion. N'hésitez pas à nous dire bonjour, à nous saluer et à nous poser des questions, ou surtout à Cléo, concernant la basse dans le chat, parce que l'intérêt pour ceux qui ont la chance, l'extrême chance d'être connectés en direct, bah, c'est de pouvoir demander des choses à vraiment sur mesure. Donc voilà, dites-nous aussi si vous êtes bassiste, si vous avez une basse dans la main, si vous êtes débutant complet ou pas du tout. Voilà, et en attendant, bah, moi je te propose de nous prendre... D'ailleurs, tiens, présente-toi, qui tu es derrière ce masque. Eh bien, derrière ce masque, ça se trouve, c'est pas toi. Un cœur sensible, voilà. Un cœur sensible. Qui, au-delà d'être sensible, est bassiste, hein, ce qui est souvent assez lié, finalement. Ah, moi je pensais pas, moi. Je sais que... Si, si, ah, si, ouais. C'est parce qu'en fait, on les écoute jamais. Les bassistes, on leur pose jamais de questions, finalement, sur leur vie. Tiens, comment tu vas et tout, parce que déjà... Souvent, on ne sait pas qu'ils existent, voilà. Du coup, mais si, c'est souvent des gens, je trouve, blague à part, qui sont assez, assez sensibles et gentils de manière générale. Ouais, et je ne dis pas ça parce gentil. Que je le suis. Mais je sais pas, enfin, toi, tu as eu l'occasion de jouer avec plusieurs bassistes. Ouais, j'ai eu un méchant, il dit gentil, je crois. Ah, c'est vrai, c'est ouais, qui le méchant va. C'est ça qui intéresse tout le monde, finalement. Comme je suis gentil, je n'irai pas de nom. Et non, pour me présenter rapidement, alors je suis en effet bassiste. En tout cas, je l'étais sur scène avant qu'il se passe tout ce truc avec ce micro. Robe, donc j'ai oublié le nom, et en fait je suis autodidacte, donc vous n'avez pas face à vous quelqu'un qui a fait le conservatoire dès ses 2 ans. Comme quoi, voilà. C'est un instrument qu'on peut... On peut mener à un certain haut niveau. C'est vrai, en fait, et alors je trouve que pour ça... Sans passer par le solfège. Ouais, ouais, et c'est vrai que souvent, enfin, en tout cas pour le piano par exemple, souvent quand tu veux... Quand tu excelles dans le piano et que tu que tu veux jouer avec pas mal de gens dans pas mal de styles, souvent c'est vrai que je connais beaucoup plus de pianistes qui sont passés par le conservatoire et qui ont vraiment cette école-là à la base, et après certains sont restés dans un milieu plutôt classique et d'autres se sont émancipés vers le démon, quoi, la pop, la variété, tout ça, le jazz même encore pire. En pire alors là. Et c'est vrai que la basse, en tout cas, je trouve que c'est vrai que déjà, tu as moins de gens qui se mettent à la basse qu'à la guitare, par exemple, en général, dans les musiques actuelles, j'ai l'impression. Car la basse, c'est quand même canon, quoi. La basse, quand tu joues de la basse dans un groupe, moi, ça m'est arrivé de jouer un tout petit peu de basse à mon niveau, mais de faire, tu sais, genre un ou deux morceaux sur une grosse scène, la grosse chance, tu vois, quand tu n'es pas bassiste, c'est un truc de fou, quoi. Et tu joues et c'est toi qui détiens le bas, et surtout quand tu rentres en même temps que le batteur, et d'un seul coup, tu sais, il y a une ambiance qui est quand même un peu éthérée et tout, et bouah, tu rentres et tout, c'est la power, quoi. Grave. C'était avec quel groupe que tu avais joué ou quel projet? J'ai joué de la basse, à ma grande époque sur Diams, où il n'y avait qu'un seul instrumentiste qui était moi, donc je faisais 80% de piano et le reste je faisais ce qu'il fallait faire. Un peu de guitare, un peu de saxophone, bon bref, on parle pas de ça mais... Yes, mais en tout cas ouais, c'est vrai que la basse, en fait je trouve que quand tu démarres la basse et que tu t'y mets un petit peu sérieusement dans les musiques actuelles en tout cas, il y a vraiment moyen d'intégrer un groupe, peut-être même plus facilement qu'à la guitare, parce que déjà, je sais pas si c'est encore d'actualité aujourd'hui, parce qu'en plus il y a toute l'arrivée des musiques électroniques qui a fait qu'on joue de moins en moins d'instruments organiques finalement. Mais c'est vrai que comme il y a moins de gens qui se mettent à la basse, forcément il y a souvent besoin quand même d'un bassiste dans un groupe, donc il y a un peu plus de demandes.
que d'offres et tu as un peu plus de chances de trouver un groupe. Bon, du bah, coup, prenez la basse, les gars, ou les filles surtout. C'est ça. Il y a moins de filles en plus, non? Et j'allais aussi dire ça, c'est que. Alors, il y a moins de filles, et évidemment, parce que, voilà, société patriarcale, tout ça, on commence à connaître, évidemment. Ah, t'es un peu féministe. Absolument pas, je les déteste. Oh. C'est les meufs qui s'écrivent des trucs sur les seins, c'est ça, hein. Ah, je sais pas. Non, pas du tout, je déconne. Oui, bien évidemment, en tant que femme, c'est compliqué de pas être féministe, je trouve, mais même en tant qu'homme, d'ailleurs. Hein, Mais non, ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, il y a toute une culture, en tout cas, qui fait qu'on va plus retrouver des. Tout un système, même des femmes au chant, par exemple, dans des groupes, plus qu'aux instruments. Et dans la musique classique, je ne sais pas trop comment. Peut-être un peu plus dans la musique classique, c'est peut-être un tout petit peu plus. Tu veux dire dans les cordes, violoncelliste, contrebasse. Oui, c'est équilibré. Ouais. Moi, j'ai l'impression, j'ai eu beaucoup de violoncellistes, femmes. Sans problème, c'est un instrument. Ouais, c'est vraiment un truc culturel, féminin. Selon les styles, peut-être. Mais en tout cas, le fait d'être une femme qui joue de la basse dans les musiques actuelles, je ne sais pas si ça m'a aidé à avoir plus de boulot, mais je pense que ça m'a aidé à être un peu plus visible. Parce que forcément, quand c'est plus rare, tu le remarques plus, quoi. Du coup, ouais. Peut-être que je me suis peut-être un peu plus fait remarquer grâce à mon. Moi, je pense à la bassiste de Bowie. Ah oui, tu vois, oui. Par exemple, je pense à Michel Guccello, Michel, quand elle joue. Enfin, du coup, on les retient, mais après, c'est aussi parce que c'est bien. Ouais, qui sont en plus, elles deux, techniciennes, chacune dans leur style, mais qui sont, en plus de ça, c'est pas. Oui. il y a d'autres choses, quoi. Elles sont extrêmement techniques et très musicales. Donc, aussi, du coup, toi, tu t'es mis à la basse, tu connaissais déjà ces gens-là ou tu. alors, en fait, j'ai commencé vraiment. Comme je disais au début, en total autodidacte. Il y a combien de temps? Je pense il y a peut-être... 2 semaines. Ouais, voilà, c'est ça, à peu près. Hein. Deux semaines. Alors, j'ai commencé sur les 4 cordes d'une guitare il y a 2 semaines et je me suis acheté une basse il y a 1 semaine. Voilà. Ah, donc, c'est bien. À peu près. Ouais. Tu vas vite. C'est ça. Non, sinon, j'ai démarré vraiment par la guitare. Donc, j'ai joué de la guitare comme ça, un petit peu en dilettante pendant 1 an parce que mon père est guitariste amateur et du coup, chez lui, il avait 2 guitares. Et c'était ce qu'il y avait de plus simple, c'était à portée de main. Donc du coup, j'ai démarré par ça. Et mon père était dans un groupe de rock à l'époque, dans lequel il est toujours d'ailleurs. Je salue le groupe Faute de Mieux, si vous me regardez, écoutez. et dans ce groupe, il y avait un bassiste qui m'a gentiment prêté une basse. Et du coup, j'ai démarré la basse comme ça, tranquillement. Et ça a plu tout de suite. C'est ça. À l'époque, j'achetais genre des magazines de basse, regardais un peu les tutos, etc. Voilà, ça en dit des magazines de basse. Un peu long sur mon âge, voilà, j'ai pas commencé sur YouTube. Ouais. Et non, mais j'ai commencé en tant qu'autodidacte et aussi relativement tard parce que je devais avoir 16 ans peut-être quand j'ai démarré la guitare et 17 quand j'ai démarré la basse. Et du coup, tu as appris à l'oreille ou tu as quand même lu des tablatures ou des partitions? Ouais, j'étais vraiment team tablature. Tablature. Et c'est pour ça que, d'accord, pour rentrer un peu dans le. C'est pas relou les tablatures? En fait, j'allais y venir. Les tablatures, c'est bien parce que du coup, c'est bien pour le positionnement des doigts, en fait, à la limite, pour pour commencer à jouer des morceaux rapidement en étant sûr de faire les bonnes notes, quand on n'a pas encore développé son oreille. Mais oui, voilà, le souci, c'est qu'en fait, tu as vraiment une vision très schématique des choses. Et du coup, t'as ni le côté lecture de notes, école conservatoire, ni le côté oreille, en fait. Si tu te bases que sur les tablatures, ce que j'ai fait pendant longtemps, après, t'es un peu paumé, quoi, quand t'as pas ça, en fait. Et ce que je conseillerais aux gens qui sont pas du tout issus du conservatoire et qui, comme moi, ont pas appris à lire la musique, parce que j'ai, continuer un peu sur mon parcours, en fait, par la suite, j'ai fait une école de musique actuelle pendant 2 ans, dans laquelle j'ai fait un petit peu de lecture de notes, de solfège rythmique, quelques notions d'harmonie, et ça m'a aidé à évoluer d'un point de vue théorique. Mais les tablatures, je pense que c'est bien au début, parce que voilà, c'est facile et c'est très... très, très simple, en fait, tu appuies sur tel bouton, quoi, la 5e case de l'accord de mi. Et tu connais ton manche, tu connais toutes les notes sur ton manche, tu te dis, laquelle c'est celle-là, tu peux me dire, par exemple. Et c'est ça, exactement, oui. Je pense qu'il faut travailler, du coup, l'oreille, et après, en fait, voilà, c'est bien de savoir que tel morceau, en fait, la première note, ça va être, comme je disais, la 5e case de l'accord de mi. Mais si tu sais que c'est un la par la suite,
bah c'est mieux parce qu'après tu vas comprendre ce que tu joues et pourquoi tu joues en fait. Tiens, ah bah oui, là c'est parce qu'en fait il y a tel enchaînement d'accords sur ce morceau et là je joue la fondamentale par exemple. Vraiment, si on et tu connais tout ton manche ou tu connais genre jusqu'à un certain point et après c'est juste par intervalle? Alors en fait je connais toutes les notes de mon manche, mais en fait je pense que je me base principalement sur les intervalles. Les notes, bah alors les notes de la corde de mi et de la corde de la. Ah ok, le reste c'est des déductions. Voilà, okay. Si par exemple là je suis en sol sur la corde de mi, troisième case du coup, je sais en fait que si je saute d'une corde et que je fais que je monte de cases, je vais être à l'octave. D'accord. Donc partie de ce principe là, je sais que là je suis en sol et que si je démarre une gamme de sol majeur ici, tu vois, basse, là j'aurai la même gamme en fait à l'octave. Et du coup, eh ben, je sais que si là, la tierce de mon sol ici, c'est un si, bah ici, le si, je le retrouve ici aussi. Oui, donc tu n'as pas à apprendre, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est en ça que le côté schématique, dans un instrument comme la basse ou la guitare, par exemple, il est intéressant parce que tu peux, c'est un très bon outil. Mais je suis restée très longtemps dedans à bosser des gammes, voilà, les différents... Alors, est-ce que tu peux, par exemple, alors moi, je fais comme si, tu vois, on avait des auditeurs qui ne connaissent rien à la basse. Ouais. Mais si jamais vous avez... si jamais, voilà, peut-être les miens aussi. Si jamais vous avez un niveau, quoi, dites-le nous, et puis enfin... Voilà. Comment tu, du coup, c'est quoi tes basiques, par exemple, des exercices de position de main, technique Alors, je sais que tu donnes des cours de basse. Ouais, j'en donc, ai du coup, tu es déjà confronté à. Tu as déjà une qualité pédagogique, enfin, tu as déjà bâti une méthode, en fait, quelque part. Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir que, comme je suis autodidacte, donc je n'ai pas pris de cours au conservatoire, toute petite, etc. J'ai pris des cours plus tard en école de musique actuelle et on m'a appris des techniques basiques de la basse, donc apprendre les gammes, jouer au doigt, éventuellement l'utilisation du médiator parce que ça peut être. Tu peux nous faire un petit tour d'horizon des exercices obligatoires qu'on doit un peu maîtriser à la basse, ouais, ou des choses qu'on doit savoir. En général, ce que je faisais avant, quand j'ai commencé à donner des cours, c'est que je commençais vraiment par développer la technique de main droite, d'accord, et de main gauche, mais de manière indépendante. Ah, alors okay. Bien sûr, si tu veux avoir du son à la main gauche, il faut, sauf après si on est dans des techniques de tapping ou de pull-off, d'Ameron, mais si tu veux vraiment avoir du son, entendre ce que tu joues à la main gauche, il faut bien sûr que tu attaques à la main droite. Mais ce que je veux dire, quand je dis bosser la main droite et la main gauche indépendamment, c'est vraiment prendre conscience des mouvements précis que tu vas faire à la main droite. Ah, moi, je trouve que quand tu commences, t'es pas précis avec ton doigt quand tu joues comme ça, alors qu'avec le médiator, tu l'es. Et ben en fait, c'est plus facile. Oui, ça peut être plus facile, surtout quand à la base t'es guitariste, parce que t'as déjà ces notions de bloquer les cordes, de palm mute, etc., pour éviter les résonances, parce que le problème de la guitare, encore plus qu'à la basse, de la basse encore plus qu'à la guitare, oui, c'est les résonances. C'est ça, c'est les résonances. En fait, tu as des fréquences du coup très graves, et quand tu laisses baver ces fréquences graves, que ce soit en concert ou en enregistrement, ça va vraiment prendre de la place. Ouais, et tu dois jouer propre. Pas propre qui va tourner, voilà, dans le mix. En fait. Donc il y a deux choses, c'est déjà jouer la bonne note en place et en plus étouffer les notes qui ne jouent pas. C'est ça. Alors ce que je faisais, donc, c'est que je commençais par ces deux aspects. Alors je vais te les montrer là. Mais par contre, juste avant, je voulais préciser un truc. C'est que souvent, quand tu apprends un instrument, et je vais prendre l'exemple de la basse ou de la guitare, je trouve que tu as moins la notion, le rapport au corps, il est moins conscientisé que quand tu vas faire, par exemple, de la batterie ou du chant. Parce que la batterie et le chant, on va dire que ton corps, dans son entièreté quasiment, il est impliqué dans l'instrument. Donc du coup, en chant surtout, tu vas avoir une notion de respiration, tu vas capter en fait le diaphragme, où il se situe, pourquoi là je me sens un peu coincé, etc. Et en fait, tu seras obligé d'être dans une certaine forme de détente pour avoir des résultats. Avec une guitare électrique ou une basse, bien sûr que si tu es détendu, ça sonnera souvent mieux, mais par contre c'est pas un truc qu'on t'inculque. Et en fait, le premier truc que je voudrais dire, parce qu'en fait on n'en parle pas beaucoup de ces instruments là, c'est quand vous jouez, peu importe quel exercice, l'exercice que vous faites, que ce soit jouer un petit groove que vous aimez bien ou faire une gamme ou l'exercice que je vais vous montrer juste après,
le premier truc à penser, c'est est-ce que là, j'ai des tensions dans mon corps ? Est-ce que genre, mon épaule, elle est tendue comme ça ? Et du coup, forcément, comme tout est lié, bah, si ton épaule, elle est tendue, en termes de vélocité, de souplesse dans les doigts, ça va se ressentir. Et c'est un truc qui est compliqué, en fait, à faire travailler. Mais en, juste le fait de signaler aux gens que c'est bien de le conscientiser, eh ben, c'est important, je trouve, parce qu'on ne fait pas assez dans l'apprentissage de ces instruments-là. Oui, on n'y pense pas. Quand on commence, ouais. On a envie de jouer, on s'en fout d'être souple ou d'avoir une bonne position. C'est ça, ouais. C'est ça, on a juste envie de reproduire tel morceau. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, souvent, en effet, les premiers cours que je donne, ça va être du basique de chez basique, de placement, de tel pouce à tel endroit, etc. Parce qu'en fait, si tu apprends la basse en jouant un morceau et qu'au bout d'un moment, tu arrives à le jouer nickel, si tu passes à un autre titre qui aura rien à voir dans la technique, et ben comme tu n'auras pas assimilé les basiques, ça va être plus compliqué d'arriver au bout de ce truc-là. Donc, on se met comment là on est bien... Alors en fait, moi ce que je fais, c'est que déjà j'essaie d'être le plus détendu possible. J'ai une fâcheuse tendance à croiser les jambes quand je travaille chez moi, quand je fais des trucs. J'essaie d'éviter. Faut pas croiser un les maximum. Jambes. J'essaie d'éviter un maximum. Après, je suis pas ostéopathe, donc voilà, j'ai pas. Mais j'essaie en fait de rester logique là-dessus et de me dire il faut que mon corps soit assez droit et pas tordu dans tous les sens. Ce que j'essaie de faire en fait, c'est souvent quand on s'assied, on a tendance à s'asseoir, et alors c'est dur à montrer là, mais on a tendance à s'asseoir vraiment comme ça et à courber le bas du dos en fait. Et en fait ce qu'il faut réussir, c'est ça, il faut s'asseoir vraiment, en fait il faut que les os des fesses et le pubis fassent un triangle comme ça et qu'on soit vraiment comme, qu'on se sente comme sur un plateau quand on est assis en fait. Voilà. Et après, pour ce qui est des mains, des bras, en fait, j'essaie vraiment d'être dans la détente absolue. D'accord. Même s'il m'arrive encore, parce que c'est quelque chose que je travaille depuis assez peu de temps. Bon, la plupart des instruments, il faut trouver des positions confortables et puis aller au plus simple. C'est ça. Faire le moins d'efforts possible et puis éviter les tensions. Au piano, c'est la même chose. Hein. Ouais, tu dois poser ta main naturellement. Ouais. D'accord. C'est ça, en fait. Bah, c'est ça, en fait. Et je pense qu'on retrouve ça dans... Et même au-delà de dire dans tous les instruments, on retrouve cette problématique dans toutes les activités qu'on fait, dans n'importe quel sport et tout. Et oui, du coup, en fait, les bras et les mains les plus détendus possibles, voilà, qui tombent le long du corps. En général, je vais commencer par la main droite, en fait. D'accord. Et alors, il y a deux choses. Il y a ce truc, en effet, d'être confortable dans le jeu, et aussi cette histoire de résonance de cordes. D'accord. Donc, dans l'exercice que je vais montrer, en fait, je vais utiliser mon pouce, et souvent, là, alors, sur certaines basses, on a deux micros. Peut-être on peut voir en gros plan. Un micro, ouais. Tom. Grave. Voilà, on Merci. A un micro chevalet qui est là. Alors, peut-être décale-toi un peu parce qu'on ne voit pas ton pouce dans le... Tu vois, peut-être faudrait voir. Voilà. Impeccable. Voilà, c'est super. Juste pour montrer. Hein. Après, voilà, voilà. Souvent, ici, là, on est sur une basse qui est type super basse qui t'appartient, d'ailleurs. Une précision, c'est une vieille précision. Une vieille précision de années 60. Ouais, début 70. D'accord, ça marche. Et en fait, sur la précision, on n'a qu'un micro, qui est un micro manche, en fait, qu'on appelle micro splitté, en fait, ici. Hein. En fait, on peut avoir l'impression qu'il y en a deux, mais c'est un seul micro qui est splitté. Et en fait, si on prend par exemple un autre modèle de cette marque, l'autre grand modèle de cette marque de chez Fender, qui est la Jazz Bass, on aura en fait un micro chevalet et un micro qui n'est pas splitté, en fait, du côté du manche. Donc du coup, on pourra avoir deux positionnements. Là, rien ne nous empêche d'attaquer ici aussi, mais c'est juste qu'on n'a pas le petit support pour le pouce. D'accord. Qui peut d'ailleurs, en fait, on peut y remédier. Il existe des gens qui mettent des petits, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est comme un petit support, en fait, juste pour poser le pouce si on veut attaquer les cordes plus près du chevalet. D'accord. Donc déjà, en fait, on s'embête souvent à se dire je vais prendre tel ampli pour avoir tel son, telle basse pour avoir tel son. En effet, la qualité du matériel joue, ça on peut pas dire le contraire, mais avant ça, déjà savoir en fait quel son tu peux obtenir de l'instrument que tu as, c'est important. Et si tu vas attaquer les cordes ici, tu auras un son beaucoup plus rond, tu vois. Ok. Si tu l'attaques ici, il y aura un son un petit peu plus pincé de manière générale. Bien sûr, ça s'entendra un petit peu plus sur une basse sur laquelle il y a deux micros, mais le fait que ici la tension soit un peu plus forte va jouer sur le son. D'accord. Donc là, c'est juste un petit truc à savoir. Pour ce qui est de la position dont je te parlais, en fait, à la main droite, donc ce que je fais avec mon pouce, c'est qu'en fait, si je joue la corde mi, je vais le positionner là sur le micro, comme ça, il a de quoi se reposer et on a une meilleure assise que si on s'attaquait les cordes comme ça, quoi, sans avoir de support.
Personne ne joue sans le pouce. Oui, on peut quand même. On peut. Alors après, il y a d'autres techniques de jeu. Il y a, tu joues au médiator, tu peux jouer comme ça, tu vois. Mm-hmm. Tu peux n'utiliser que le pouce pour jouer si tu veux. Oui. Mais là, en l'occurrence, vraiment, si on parle de la technique du buté, en fait, qui est en fait le fait d'alterner deux doigts comme deux ça. Et trois. Voilà, c'est ça. Et on appelle ça buté parce que l'index et le majeur viennent sur le pouce, en fait, se percuter sur le pouce, comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, quand on va attaquer la corde mi, on va poser le pouce sur le micro. Quand on va attaquer la corde là, on va poser le pouce sur la corde mi, et ainsi de suite, en fait. Et le fait de descendre à chaque fois, ça va nous permettre déjà d'avoir toujours le même écart entre le pouce et les deux doigts qui attaquent la corde. Donc du coup, à peu près la même position, donc la même intention dans le jeu. Et d'autre part, le pouce, avec la tranche du pouce, on va pouvoir venir bloquer les cordes qui ne sont pas jouées, et surtout que les cordes, en fait, qui sont graves, sont celles qui sont qui tournent, plus propices à avoir des résonances forcément plus. Ça va polluer la musique, c'est et ça, ouais. Ouais, c'est vrai que la basse prend beaucoup de place. C'est ça, tu vois, si t'as ta corde mi qui fait ça pendant que tu joues un. Ben là, c'est joli, comme tu joues en mi, c'est joli. C'est ça. Bon, alors, on va faire un demi-ton en dessous. Ah non, voilà, non c'est un peu plus galère. C'est pas beau. Et bon, bah d'accord alors. Voilà, et du coup, en fait, l'idée c'est vraiment. C'est très chiant, hein, je vous l'accorde. Mais l'idée c'est de se faire ça tranquille, genre un quart d'heure, une demi-heure par jour. Ouais. Où vous allez vous faire par exemple des groupes de 4 notes. Dans un premier temps, on s'embête même pas à se dire je vais le jouer à la noire, en croche, en double croche. Ouais, ouais. Dans un premier temps, on va juste se dire je joue 4 notes par exemple par corde. Oui. Sans métronome. Je pense que le métronome doit intervenir une fois que tu maîtrises le son, en fait, de l'exercice que d'accord. tu es en train de faire. D'accord. D'abord le son, vas-y. Par exemple, voilà. Donc que des mi, 4 mi. Par exemple, ensuite 4 la corde là. Alors, les cordes à vide, c'est bien parce que comme ça, tu peux encore plus capter les si tu fais résonner. Alors le mi, tu l'as fait, donc ça c'est simple, mais quand tu fais le la, tu bloques le mi. Parce que ton doigt vient buter contre le mi, donc tu n'as rien à faire, d'accord. C'est ça. Donc en fait, l'idée, c'est que le moment où tu attaques la corde de la, la corde de mi, elle vient être bloquée par le pouce. Ok, donc on fait 4 mi en mode normal. 4, on décale son 2, pouce. 3, 4, là, on fait quoi après? On 1, se redécale. 2, c'est ça, 3. Et pour la fin, c'est pas la peine, si? Alors pour être honnête avec vous, pour l'exercice vous pouvez le faire, mais moi souvent je m'arrête au là. Ouais, parce qu'après vu qu'il y a la butée, vu c'est que ça sert à rien c'est de l'étouffer. Et en plus de ça en fait souvent quand tu joues par exemple quand tu fais vraiment la pompe à la basse que tu vas accompagner dans les graves, c'est là en fait souvent où c'est pas bien que ça tourne et tout. Quand tu arrives en fait dans les aigus, tu vas plus faire des fils. Donc oui, du coup, finalement, c'est moins important de. C'est ça. Ouais. Ça peut même t'handicaper si t'es trop dans ce truc strict de descendre ton pouce en fait. Et pour certains trucs de vélocité, c'est plus pratique de rester sur. Bon, en tout cas, il faut prendre l'habitude de déplacer son pouce entre le micro et les deux premières cordes du bas. Exactement, okay. En faisant gaffe qu'à chaque fois que tu changes. De notes, donc de cordes en l'occurrence, le son d'avant se coupe exactement au même moment. Et donc en fait, il ne faut pas que le son s'arrête. Il ne faut ni qu'il se superpose, ni qu'il s'arrête. C'est très chiant. Hein. Et après, en fait, on remonte, du coup, vers les graves. Et là, c'est la main droite qui va nous aider à bloquer les résonances qui pourraient se trouver dans les aigus. Eh oui, donc, en effleurant la corde. C'est ça. Là, en fait, alors, non seulement. Alors, c'est pas en effleurant. Je dirais pour le moment, il faut mieux poser la main. Poser la main dessus. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on peut créer, si on pose son doigt sur ce qu'on va appeler un nœud, en fait, donc une division de la corde sur laquelle se trouve une harmonique, ici par exemple. C'est très joli si on a envie de créer ça. Hein, Ah, j'adore les harmoniques. On peut faire des très belles choses avec les harmoniques, mais si on ne veut pas les créer dans le jeu, donc il vaut mieux que ce soit bloqué. Donc, d'accord. En fait, là, en fait, on va refaire le même exercice, mais dans l'autre sens. Donc. Allez. Et là, le moment où je joue ma corde de ré, hop, et pareil pour la corde là, ma main gauche vient bloquer le son. D'accord. Donc si on le refait en entier, en fait, tout ça. Oui, parce que c'est quand tu vas dans l'autre sens, du coup, t'as pas de main qui t'aide à bloquer, d'accord. C'est ça. C'est bien le concept du teubé, du teubé qui est à côté de toi pour le cours et qui te pose des questions.
Comme ça, tout le monde s'en sortira, hein. Même le plus teubé. La base pour les nuls, par une nulle. Voilà. Voilà. En plus, on parle pendant que je fais l'exercice. Mais c'est très bien. Si, c'est très bien. Tu fais des cordes à vide. Voilà, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, mais très bêtement, de répéter ça. Après, je pense que dans n'importe quel exercice un petit peu technique, un peu rébarbatif, on peut y mettre de la musicalité et un vrai... Ah ouais, bien sûr. Une vraie intention musicale. On peut s'éclater avec des mi et des la et des ré. C'est ça. Et en fait, du coup, rester dans cette optique-là pour pas devenir fou, quoi. Hein, parce que déjà, que dans cette période, c'est compliqué. Si en plus, on t'oblige à enchaîner des cordes David sur ton instrument sans rien faire d'autre, bon. Donc il y a l'aspect du coup main droite, et après bien sûr, même souvent dès le premier cours, je vais parler de la main gauche et avant de parler des gammes, souvent je vais faire travailler un premier petit déliateur. Alors les déliateurs, c'est ce qui va te permettre d'avoir une certaine rigueur dans l'enchaînement de tes notes et dans l'utilisation de ta main gauche. Pour ensuite justement pouvoir faire tes morceaux, tes grooves, tes gammes. Voilà. Alors pour la main gauche, c'est pareil, c'est aussi chiant que pour la main droite. Ce qu'on va faire, c'est que si par exemple on parle du la, on va se dire, voilà, sur une main, on a un pouce et quatre autres doigts qui ne sont pas des pouces. Du coup, le pouce, on va le caler derrière, évidemment. Au milieu du manche. Parce qu'on est quand même des homo sapiens, ça sert bien à ça d'avoir un pouce pour pincer derrière. Voilà, c'est ça, faire comme une pince en fait. Et l'idée, c'est de pouvoir par exemple enchaîner 4 notes sur la corde de mi à partir du la, on va dire. Donc on va faire vraiment des demi-tons. Donc on est sur la première corde, la plus basse. Voilà, et t'attaques au la. Par exemple, après, pour les plus petites mains, si vous avez une basse long scale comme celle-là, donc qui est vraiment le format standard de la basse et qui est quand même. Ouais, qui peut être c'est plus grand qu'une guitare, donc ça peut être un petit peu. Ça peut demander beaucoup d'écart pour les plus petites mains. Rien ne vous empêche de démarrer à la 7e, 8e, 9e case. Pour cet exercice, si au début vous voulez que ce soit un petit peu moins violent au niveau des écarts. Allez. Mais si par exemple on part d'ici, l'idée ça va être de jouer une case, un doigt par case. Donc en fait, souvent quand on débute, on joue un premier morceau, on dit ah ouais, je vais jouer ce truc un petit peu rock comme ça, chez. Ça peut être pas mal, je pense qu'il y a beaucoup de punk et de rockers qui jouent comme ça en plus. Mais c'est vrai qu'en fait, si tu veux commencer à enchaîner des trucs un peu plus vénères, bah, c'est bien de pouvoir utiliser le doigt qui est en face de la case. Donc ici, en l'occurrence, on commence par l'index. Pour le moment, on va s'arrêter là. L'idée, en fait, c'est d'enchaîner. Et pareil, il ne faut pas qu'il y ait de coupure de son. Souvent, au début, quand on démarre, on a tendance à faire « Ok, première note. » Des silences. C'est ça. Chaque note. On veut pas. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que tant que t'es pas arrivé ici, sur la ah, tu laisses tous tes doigts collés. Exactement. Okay. Je dis pas qu'il faut qu'ils soient appuyés, mais ils sont en face de la note. Ouais, parce que sinon, on va avoir mal aux doigts, quoi. C'est ça. Si par exemple, tu joues à l'été, là, on est en la dièse, par exemple, sur une gamme majeure. Si par exemple, tu dois jouer ta gamme majeure, si tu fais ça, la seconde, pour arriver sur la tierce, tu galères. Si tu es comme ça, vraiment détendu, et chaque doigt en face de la case qu'il est censé pouvoir jouer, tout de suite, tu vas gagner en souplesse et en vélocité, parce que la corde, elle est vraiment juste en dessous. Oui, donc il faut s'habituer à laisser sa main bien placée dans la position. Exactement. En perpendiculaire, en fait. Et c'est ça, et les mouvements, exactement. Et il faut penser les doigts comme des petits marteaux, en fait. En fait, on pourrait presque apprendre à jouer les yeux fermés. Parce que les yeux fermés, bah, d'ailleurs, quand tu es un bon bassiste, normalement, tu regardes pas toutes tes notes comme un malade. Tu sais, t'as presque pas besoin de regarder ton manche. Ouais, il y a des moments où c'est vrai que tu peux. Et du coup, pour avoir une bonne position, les yeux fermés, ce serait pas une bonne technique finalement pour. Carrément. Alors, je vous avoue que j'ai pas méga travaillé ce truc-là, mais il y a plein de musiciens qui s'amusent à travailler leur instrument dans le noir à un moment donné. Ouais, c'est très intéressant. D'ailleurs, tu me fais penser que ouais. Ça me dirait bien de au piano, on fait ça clair, parfois pour préparer les concours. On s'amuse à jouer un peu dans le noir pour retenir les intervalles. Tu vois, quand c'est vachement loin et tout ça, on essaye de les choper sans regarder, tu vois. Ok. Donc pour mémoriser les distances. Ouais. Mais je crois que c'est une bonne chose de jouer dans le noir. Ah, un peu. Bah grave. Et puis même, ça peut te sauver des fois parce que tu es en concert. À un moment donné, il y a un noir scène et tu dois accompagner le chanteur ou la chanteuse ou je sais pas, de ton groupe, quoi. Et là, tu es en mode noir scène. Et là, vous nous remercierez. Remercierez, vous penserez à ce moment. On va se faire des sessions dans le noir, je pense. C'est ça, ça va être super. Et puis ça fait des économies d'électricité en plus, c'est pas mal. En plus, voilà. Donc voilà, pour revenir à cet exercice, l'idée c'est en effet ce qu'on disait, c'est donc pas de coupure dans le son.
Et on monte et tout là, le manche. Pareil, c'est ça. Alors, là où se situera la difficulté quand vous démarrez cet exercice, si vous débutez, c'est vraiment ici, ce passage-là, où on change de corde. Là, je ne parle même pas de la main droite, parce qu'après, la synchronisation main droite, main gauche, c'est encore un truc qui arrive après, une fois que tu as bossé ces deux aspects. Souvent, quand les élèves qui commencent à apprendre cet exercice arrivent ici sur l'auriculaire, ils vont lâcher un peu et faire la suite. L'idée, c'est vraiment, le son, c'est un fil et il faut le couper à aucun moment, en fait. Ouais, donc faites du son, écoutez-vous, quoi. Écoutez le son. C'est ça. Et jouez propre. Très doucement. Oui. Très doucement. Et comme pareil, si tu devais faire une séance de studio, déjà, avec en jouant ça, quoi. C'est genre, ça. Tu devais faire un truc irréprochable. C'est ça. Mais c'est sympa, moi, j'aime bien. Ouais, et après, bien sûr, ça... Une fois que tu le fais, alors t'as 10 000, tu vois, t'en as des comme ça aussi, t'en as plein, des petits exercices. Bon, ça c'est beaucoup plus tard, hein, parce que ouais. Ça, j'ai rien compris là. Puis c'est un peu jazz, non? Mix solidienne avec quinte double bémolisée. Non, je déconne. Pas du tout, c'est un exercice. Ouais, complètement, qui n'a aucun intérêt musical. C'est ça. Ah, quoique celui-là, si, il peut avoir un truc ah ouais quand même, je trouve. Mais bon, bref, c'est vraiment très basique, hein, mais c'est souvent ces deux choses-là. Main gauche et main droite que je fais bosser au tout début et vraiment mettre le point sur cette rigueur, parce qu'avoir un jeu propre comme ça, en fait finalement il n'y en a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'attardent vraiment là-dessus et ça paye vraiment en fait. Ah, est-ce que je peux essayer faire le cobaye peut-être et genre tu me corriges, tu me dis qu'est-ce qui n'est pas bon, alors moi cet voilà. exercice là par exemple. Par exemple, alors moi je suis nul comme ça, je prends la basse, je mets pas la sangle, je mets mon pouce sur le micro. Voilà. Je repère le La, bon je sais que c'est le deuxième point. Ouais, c'est voilà. ça. Voilà, donc là je vais jouer le La. C'est ça. Et je vais alterner 2 et 3. Donc je vais faire ça. Hop, raté. Et là je me suis trompé parce qu'il faut que je pose mon pouce. C'est ça, je recommence. Au début, il faut avoir cette certaine souplesse de dire bon, je bosse la main droite, j'essaie d'être nickel. Je bosse la main gauche, j'essaie d'être nickel. Ouais. Mais, donc là on pense plutôt à la main droite. Tu peux pas penser aux deux tout le temps, tu vois. C'est ça. Et en fait, là, tu vois, c'est pas facile. Ça hein fait un petit hammer là, nickel. Et après, arrivé là, on fait ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut avoir les 4 doigts et faire ça? Non, on va pas alors, mettre en fait, d'un coup. Ce que je conseille de faire, c'est de, tu vois, quand tu fais le retour, clairement là, tu levais pas mal tes doigts en fait, tu vois. Essaie de, là, de tu vois, ton auriculaire, oui. Il est là, il pourrait vraiment rester. Et tu vois là dans ta position, oui. On sent une petite tension ici. Oui, parce que je suis voilà. comme ça. Mais en fait, il faut faire en sorte que tes doigts soient le plus perpendiculaire possible. Oui, donc comme les guitaristes, il faut peut-être avancer c'est un ça. Peu le. Et en fait, il ne faut pas être trop comme ça, tu vois. Il faut vraiment que ce soit comme ça. Là, c'est déjà mieux la position. Trop bien. Voilà, et quand tu vas chercher cette note-là, quand tu es là et que tu vas chercher cette note-là, tu peux avancer légèrement ton avant-bras. Tu vois, comme forcément l'auriculaire est plus petit, donc c'est plus galère, tu peux avancer légèrement ton avant-bras. Voilà. Mais il faut qu'il reste en face, il faut qu'il essaie de rester exactement. En face. Exactement, c'est ça. Là, c'est beaucoup mieux, tu vois, tu as tes doigts qui sont vraiment perpendiculaires à la corde. C'est ça, alors quand tu remontes, tu vois. Je suis déjà fatigué, hein. Je suis. Tu vois, ouais. Et normalement je devrais pas être tendu, et... c'est un truc. Ouais, mais c'est je pense que dès que tu prends un instrument, que tu touches un peu moins, c'est ça en fait. Hein. Ouais. Quand j'essaie de faire de la batterie par exemple, tiens. Je suis comme ça. Eh oui, c'est ça. Mais tu vois, il y a toute cette notion là un peu vraiment très basique de maîtrise du son que j'essaie de faire bosser au début parce que je pense que c'est important et c'est ce qui m'a aidé aussi à travailler en fait. C'est ce point fort là, c'est que j'ai pas vraiment un bagage théorique énorme, tu vois, j'ai pas non plus une culture vraiment de énorme qui me permette de jouer tous les styles de musique. Par contre, quand je bosse un truc pour un projet, je vais vraiment essayer de faire en sorte que ce soit propre en fait et que le son soit le plus joli possible, etc. Du coup, en fait, ça peut être une vraie force en fait. Ah oui, mais c'est très important et le son. Et qui plus est pour l'enregistrement, quand tu commences à t'enregistrer, ça aide pas. Donc là, on a deux exercices qui sont importants. L'exercice de main droite pour bien habituer le pouce à se balader entre le micro et les deux premières cordes. Voilà, on répète 4 fois. Ouais. On monte. Par exemple. Et quand on redescend, on cède de la main gauche pour étouffer les cordes. Exactement. Et le deuxième exercice, ça serait donc une montée chromatique à partir du La par exemple et bien aligner ses doigts en face des cases en essayant de les garder à disposition, à disponibilité, et on s'habitue à jouer propre, donc lié, sans trou,
Je résume. Exactement. Hein, non, mais non, c'est vraiment ça. Exactement. Voilà. Et déjà, si on maîtrise ça, déjà, on a bien avancé. Non ? Eh ben, grave. Et ensuite, une fois que tu maîtrises ça. Une semaine de ça, quoi. En gros, ceux qui commencent la basse. Après, je pense qu'en fait, il faut l'étaler sur plus longtemps. Mais je pense aussi que c'est important de se faire plaisir quand tu démarres un instrument et de ne pas faire que ça. En effet, si tu as envie de te jouer un petit groove d'un groupe que tu kiffes en parallèle, bah fais-le. Parce qu'il faut aussi se faire plaisir. C'est ce qui permet de conserver la rigueur sur le temps, je pense. Et c'est aussi une erreur que j'ai faite quand j'ai appris, c'est que j'étais vraiment dans ce truc de non, il faut d'abord que je sois genre ultra propre et tout avant de jouer. Mais non, tu peux faire les deux en parallèle, quoi. C'est pas. Bien sûr. Et alors, une fois que tu as ce truc-là et que tu te sens vraiment à l'aise avec le fait de conserver le sustain jusqu'au bout, d'avoir des belles notes homogènes aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est-à-dire que quand tu attaques. L'idée, c'est vraiment d'avoir une homogénéité dans le son, sauf s'il y a une vraie volonté à un moment donné de jouer une note plus forte pour un titre ou... Oui, de jouer égal. C'est ça, d'avoir, c'est en tout cas... Et rythmiquement et en termes de niveau sonore. C'est ça. Bah, en fait, une fois que tu as cet aspect-là sonore, et ben là, il faut amener rapidement le métronome, je pense. Il ne faut pas l'amener tout de suite parce qu'il ne faut pas se mettre la pression. D'abord, jouer propre et ensuite jouer en place. Mais assez vite, amener le métronome... pour justement avoir cette notion un peu de groove et puis se intérioriser un petit peu ça. Quoi. Ou alors avec peut-être des batteries préenregistrées et jouer, parce que ça existe maintenant ça. Je pense que si vous allez sur YouTube, vous pouvez taper batterie, accompagnement ou des trucs, même spécial bassiste. Il y a des playbacks, il y a des shuffles genre de blues pour la basse en playback et tout. À mon avis, tu peux même taper le BPM. Je pense qu'il y a beaucoup de matériel maintenant. Ouais. Si tu as un Mac et que tu as GarageBand, par exemple, voilà, comme logiciel de musique par défaut dessus, tu peux déjà te programmer des petites batteries, des petites choses comme ça, et c'est en effet plus agréable que clic. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est vrai que quand tu apprends un instrument, le truc le plus difficile, c'est la régularité. Ouais. Parce que le matériel, il y en a plein sur YouTube, tout ça. Vous avez plein de trucs qui sont géniaux, des accompagnements, des conseils, des gens super forts, des gens très pédagogues et tout. Par contre, ce qui manque, c'est la régularité. Et je pense que c'est plus important d'être régulier que de savoir des choses, en fait. C'est ça. Et de passer du temps sur son instrument. Donc, faut vraiment... parce qu'il y a des gens, ils veulent jouer, mais ils ne veulent pas travailler, quoi. Ouais. Donc, comment on fait ? Ben, en fait, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est ça, et c'est ça, d'ailleurs, qui fait la différence entre les gens qui vont un peu plus se professionnaliser, je pense, et les gens qui vont... Bon, déjà, il faut aimer. Quand tu aimes ça, tu y vas facilement. Ça. Je pense que quand tu es passionné, à un moment donné, tu as envie de connaître les petits tips qui vont te faire progresser dans ton instrument. Et je pense qu'en effet, il faut avoir cette rigueur. Je pense qu'il faut s'imposer un minimum tous les jours en se disant, oui, si un jour j'ai pas le courage de bosser parce que j'ai une galère ou j'ai le Covid, j'en sais rien, et je préfère du coup regarder des séries en streaming sur Internet, bon, pourquoi pas. Mais il faut globalement en fait avoir une certaine régularité, et à côté, ce qu'on se disait, c'est peut-être se faire plaisir avec des trucs et en plus des petits morceaux, quoi. Et aujourd'hui, on a la capacité de s'enregistrer. C'est un truc que j'ai fait assez tard aussi, m'enregistrer, parce que j'avais aussi pas les moyens techniques de le faire chez moi. Je pense que c'est important parce que tu peux vraiment écouter un petit peu tes petits défauts de jeu. Est-ce que je suis plus devant le temps? J'ai pas pensé à ça, moi. Donc tu t'enregistres, tu te réécoutes et là tu découvres des choses. Moi j'ai capté très tard, par exemple. Surtout qu'il y a un groove. Quand tu commences à faire des séances de studio, tu joues, tu crois que tu joues bien et puis tu réécoutes et tu dis je suis pas en place, ou je suis un peu devant, un peu derrière. C'est ça, ou le nombre de groupes de rock qui split au moment où il faut passer en studio, quoi. Ah bon? Non, mais finalement, t'es nul en fait. Ah non, mais tu dégages. Tu fais le malin sur scène, mais en fait, t'es nul. Il y a des musiciens qui sont bons sur scène, ils sont moins bons en studio. Ah bah ouais, grave. Puis parce qu'il y a plein de choses. Il y a l'attitude, il y a. La scène, il y a tellement d'aspects aussi. Mais le studio, même si t'es bon et en place sur scène, des fois en studio, tu peux ne pas l'être parce que c'est une pression aussi. C'est très stérile, quoi. C'est un univers. C'est pas propice en fait. Au fait de se lâcher, en fait. À l'amusement. C'est ça. Tu sais que tu as un clic, tu sais qu'en fait, tu es limité en temps si tu es en studio et pas forcément en home studio. Tu es vachement limité en temps et que si jamais tu mets du temps pour passer telle partie, ça va retarder les autres et du coup, ça te fout une pression.
Bon, après, la basse, ça s'édite facilement. Hein. Ouais. Tu peux recaler quelques notes. Ah, moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux apprendre aussi en cumulant différents types de patterns? Donc, ça veut dire, tu entends un truc qui te plaît, bah, tu le travailles. Un mec, il fait genre... Ouais. Et là, je fais des notes mortes, même, tu vois, quand je chante ce truc-là. Est-ce que tu dis, ah, j'aime bien ça, donc du coup, je vais le bosser, puis je vais me déplacer sur le manche, juste à bosser ce groove pendant des heures parce que ouais. je le kiffe, quoi. Et à l'agrémenter, à la limite, de quelques petites voilà, notes. Voilà, et de le changer. Est-ce que c'est une bonne méthode, ça, d'avoir. Alors, ouais, pareil, en fait. Dans tu as des riffs de basse super célèbres. Tu pourrais nous faire un riff de basse méga célèbre Bah, grave, ouais. Mais ce que je voulais. Je la prends au dépourvu parce qu'elle n'est pas du tout préparée à mes questions. Pas du tout. On va dire, tu peux jouer Giant Steps de John Coltrane. S'il te plaît, mais le solo. Génial. Et là, tu me sors, là, je t'ai dit, bon, j'arrête. Oui. On a dit que le jazz, c'était interdit déjà. Oui, d'accord. Bon. Dans cette vidéo. Non, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en effet, c'est quelque chose dans mon parcours d'autodidacte que j'ai pas fait du tout pendant très longtemps. Mmh. C'est en effet cette notion de se faire plaisir. Mmh. J'entends un truc, ah je vais le faire. Moi tout de suite en fait j'ai amené quelque chose de laborieux et il fallait que je le fasse vraiment à la note près. Et non en fait, c'est pour ça que c'est bien l'oreille et pas que les tablatures. Mais oui. C'est parce qu'en plus c'est plus logique en fait, tu captes plus la logique du truc. Bon allez, un petit quoi, Daft Punk, Imagination, qu'est-ce que... Ah, ça c'est voilà. Bien, c'est que quand tu sais pas trop jouer de la... tu sais pas trop jouer de batterie, tu peux aussi jouer. Ça rend super bien quand t'es un peu à côté, en plus. C'est hyper rock'n'roll, ça. Là, j'aurais pas peur d'aller à batterie. Je sais plus ce qu'elle fait, mais c'est genre, il y a que la grosse caisse à un moment donné, je crois. Ouais, c'est ça, bon déjà... En fait, il y a eu tellement de versions. Pour moi, maintenant, ce morceau, c'est pop dans les stades de foot, quoi. Donc, c'est même plus les White Stripes, quoi. Mais ouais. Non, en fait. Bah merci, hein. Écoute, bah, c'est plaisir d'offrir. Ouais. Mais après, c'est cadeau. Je joue très peu de trucs très, enfin, ouais, de fais... gros standards. Ouais. Et en plus de ça, j'ai fait un peu de, à une époque, des sessions dans des groupes un peu en de reprise. De balle, de reprise. Mmh. Voilà, c'est ça. Je voulais pas dire balle. Ouais, c'est vrai que reprise, c'est beaucoup. T'as failli dire baloche, quoi. Non, balle. ouais, bon. Ouais. Non. On a tous fait ça. Bah, je dénigre pas du tout les gens qui font ça et je suis pas contre le refaire un jour parce que c'est ultra intéressant en plus. Je sais pas pourquoi, en fait, il y a beaucoup de gens qui snobent le fait de faire. Oui, après, c'est une question d'envie, en fait. On fait ce qu'on veut ouais, hein, ouais. En musique. C'est pas plus, c'est autre chose, quoi. C'est pas plus difficile, plus facile, c'est autre chose. Puis surtout que c'est un plaisir immédiat pour les gens qui sont en face. Quand tu reconnais leur morceau, bah, t'es content, quoi. Mais ouais, et en fait. Ben, comme j'en ai fait pendant un petit temps et qu'après j'ai arrêté, j'ai pas mal zappé tous les... Ouais, donc t'es plus sur de la musique originale ou de l'improvisation. Ouais, sur ça, ou alors sur mon propre projet aussi. Bah oui. Qui est un projet de chanson française dans lequel je m'accompagne maintenant principalement à la basse. Ça c'est chouette. Voilà, ça amène une couleur Michel, mais en français, quoi, trop bien. C'est ça. C'est moins basé sur le groove qu'elle, parce qu'elle est très très groove quand même. Oui, c'est vrai qu'elle est... Ouais. Et je suis moins vocaliste qu'elle, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment cette culture, on va dire, culture. De chansons françaises. Comme si j'avais la voix de Céline Dion, mais en fait, je chante comme Carla Bruni, mais pas du tout, je chante comme Carla Bruni. Mais... non, je déconne. Mais à moitié. Mais en fait, ouais, c'est vraiment de la chanson, et je m'accompagne avec des accords à la basse, en fait. D'accord, sympa voilà. Ça. C'est ça. Quel genre d'accord Parce que ce genre d'accord que je te faisais tout à l'heure, en fait, tu vois... Le truc trop joli, là, avec des harmoniques. Bah, ah, ça, c'est exemple, beau, ça. Par exemple, il y avait... Ce genre de choses-là, quoi. Mm-hmm. Puis ce que je faisais... Donc, plutôt folk, plutôt ouvert... Pop, folk... Non. On va dire c'est... Ah, j'ai du mal à définir vraiment. Ah, c'est dur, hein. J'ai du mal à définir vraiment, mais je dirais que c'est... chanson française avec c'est plutôt sombre, c'est plutôt mélancolique. La basse en fait, parfois jouée en harmonique, amène un côté un peu onirique en fait aux arrangements que t'as moins peut-être avec une guitare plus sèche. Ah, c'est vrai, le son est beau, hein. Moi j'adore ça. Ouais. Et du coup, ouais, voilà. Et c'est quoi l'autre que tu faisais en haut là, c'était joli là, le truc que tu faisais juste avant. Ouais, ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, tu disais pas jazz, mais bon, t'es quand même déjà sur une septième. Ouais, par exemple, ouais. Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, je peux le jouer. Je joue souvent des enchaînements d'accords assez simples, mais j'utilise les septièmes pas mal. Donc là, on est sur un accord de La mineur 7, par exemple. Donc,
du coup là je joue pas la quinte de donc la là on sait pas si tu vas partir en bossa nova ou on sait pas ce que tu vas faire là. ouais pourrait, ça pas trop mais c'est vrai que ça, la couleur peut faire penser ouais je peux jouer aussi l'octave si je veux faire un accord vraiment un accord sans la septième quoi, mm-hmm. juste avec la tierce du coup parce que là il n'y a pas la quinte oui je peux aussi faire par exemple, là, si on est là-dessus, je pourrais faire la. Tu vois, ici, donc là, tu improvises quand même. C'est tu montes des accords que tu aimes bien. Là, c'est pas un morceau. Là, je peux prendre une percue et t'accompagner, peut-être, non ? Grave, on peut faire ça, ouais. On va faire. Là, je suis sur un do, tu vois, j'utilise la septième majeure pour revenir sur l'octave aussi. Ouais. Bon, là, je prie un oudou, je sais pas si les basses vont passer dans le. Dans le. Tu vois ? C'est ton rythme, c'est. Faut toujours avoir un joueur de oudou pour jouer, pour s'accompagner. Il est bien cet exercice. Vous m'apprendrez ça pour la semaine prochaine, les gars. Tu vois, il fait des petits enchaînements d'accords. Joli, hein. Dans la composition, bah merci. Dans la composition, ce que je fais en général, c'est que j'ai une idée du texte qui arrive avec une mélodie. Et ensuite, je trouve un enchaînement d'accords dessus, genre à la guitare acoustique chez moi. Et après, j'essaie d'arranger avec une texture plus autour de la basse, en fait, en accord. Oui, parce que comme c'est ton instrument, du coup, c'est bien qu'ils prennent la lead. C'est ça, et puis souvent c'est très simple. Enfin, je ne cherche pas à faire des quintes diminuées, augmentées partout. Oui, enfin, tu pourrais, quoi. C'est... Je pourrais si je change. c'est notre commande Deliveroo. Ah bah c'est bien. T'as commandé quoi? Des bières? En plus, il insiste, genre pas de problème, quoi. C'est ça. C'est pas con. Donc voilà, en gros. Ça prouve qu'on est en live. C'est ça. Voilà, au cas où vous doutiez. Mais ouais, en gros, voilà. Je suis plutôt pour quelque chose de très laborieux et de très. Très, comment dire. Strict sur vraiment apprendre à faire sonner les notes, tu vois. Après. Donc le son avant tout, le son. Ça. Et personnellement, j'ai pas du tout poussé le travail harmonique sur des walking bass ou ce genre de choses, par exemple, tu vois. C'est vraiment plus. J'ai une base pour faire sonner la basse. Et là. Après, je m'en sers. Toi, t'es dans un groupe de. Je dirais rock, quoi. Enfin, rock, c'est quoi ton groupe? Tu dirais quoi? Alternatif. Non, non. alors, le projet. De trip-hop lequel, aussi, tu fais de la trip-hop avec moi, mais. Avec toi, ouais. Mais sinon, t'es aussi dans un groupe. Ouais, en fait, le projet que, dans lequel, avec lequel je tournais le plus avant celui dont on ne citera pas le nom, pour lequel je suis vêtue de la sorte aujourd'hui. Avant ça, heureusement, on a réussi à sortir quand même notre album et avoir du coup une activité, mais plus sur Internet. C'est un projet qui s'appelle Les Princesses Leia, qui est très rock metal en fait. D'accord. Même s'il y a les influences peuvent diverger parce qu'en fait c'est basé sur l'humour et la comédie. Voilà, on a tous des personnages. Donc si vous voulez aller voir Cléo jouer dans ce groupe, je pense qu'il y a des choses sur Internet, c'est ça? Voilà, et puis normalement on a des dates, on est censé jouer en juin pour la sortie de l'album, on a des dates qui se profilent voilà, en septembre et tout, mais là on ne sait pas trop. Hein. Non, non. Donc peut-être la Maroc en juin, on verra. Faut que tu me rejoues un truc, je suis déprimé.
Tiens, joue-moi du Princesse Leia, s'il te plaît. Oula, alors là, j'ai pas de médiator, parce que Princesse Leia, c'est très médiator. Ouais. Putain, j'ai pas pris mon médiator. Ah bah ouais. T'en bah... as un qui traîne. Ouais, mais où alors là Non, non, mais on sait pas où c'est. Non, c'est, ouais, bon. C'est pas grave. Next time. Ouais, next time, vous jouerez du métal. Du métal. Un... Mais oui, du coup, pour ce qui est vraiment des groupes dans lesquels je joue, il y a du coup les Princesse Leia. Ça, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment. C'est métal, on a beaucoup joué dans l'univers métal en fait, dans des on a fait la tournée de Show du Hellfest un peu partout en France et tout, donc trop bien. Vraiment c'était trop cool. Mais en fait c'est très très punk dans l'énergie sur scène, je trouve qu'on est beaucoup plus punk que métal vraiment dans l'énergie sur scène, et puis on alterne des passages, des chansons en fait, avec des passages joués où on a des personnages, il y a toute une petite un petit fil conducteur en fait, voilà, et c'est intéressant parce que ça me permet d'explorer ce truc la comédie vraiment sur scène, un peu plus en mode théâtre, ça te défoule que, aussi, c'est bien, ouais c'est très cool, donc il y a ça. Et puis après, je bosse avec un autre projet, mais avec lequel on n'a pas trop l'occasion de se voir, du coup, forcément, surtout ces derniers temps, qui s'appelle Hanté Minuit, et qui est un très très cool projet, qui est principalement chanté en français, et voilà, pareil, c'est très synthé aussi, je pense que ça te plairait beaucoup, faudrait que je te fasse écouter. Bah ouais. Voilà, et puis voilà, mon projet de chanson. En ce moment, je prépare un deuxième EP. J'en ai un qui est déjà sorti. Un projet qui s'appelle Cléo Marie, du coup, pour la chanson. Et puis voilà, je vais recommencer à donner quelques cours. Donc, on peut te contacter. Voilà. C'est ça. Donc, moi, ce que j'ai dit à Cléo, c'est que moi, j'aimerais bien, sur la chaîne SFL, qu'on fasse un module de basse régulier, parce que je crois beaucoup à cette régularité plus que de créer du contenu très original, mais je pense que c'est mieux de retrouver les gens régulièrement autour d'un instrument, et je voudrais bien le faire autour du piano, de la basse et du didj avec Adèle, etc. Et du coup, je t'invitais à venir assez régulièrement sur la chaîne pour montrer des nouveaux trucs, pour que les gens puissent vraiment s'y mettre. Et puis ceux qui ont les moyens et l'envie de s'y mettre un peu plus, ils peuvent prendre des cours particuliers, alors que ce soit en vidéo ou en présentiel, je ne sais pas, après en fonction. Si vous êtes sur... Alors là, pour le moment, vu le contexte, en vidéo, je vais plutôt fonctionner à distance. Mais c'est pas mal en vidéo aussi. Carrément, on peut faire connaissance. Alors, comment on fait pour te joindre Alors, je ne sais pas ce qui a été mis exactement en lien dans le mettre, on va le mettre après. Mais vous pouvez me joindre, du coup, j'ai un Facebook, Cléo Bigontina, un Facebook perso, un Facebook pro aussi, sur lequel je ne mets pas grand-chose, mais bon, j'ai encore une page Facebook, la page. J'ai Instagram, je pense que le plus simple, c'est de m'envoyer peut-être un tami Instagram, voilà. Envoyez-moi un DM par Instagram, c'est Cléo Bigontina, voilà. Sympa, hein. J'y répondrai. Voilà, et puis sinon, concernant les cours, j'ai recommencé à en donner parce que je travaille avec le magazine Guitar Part. D'accord. Qui a maintenant une rubrique basse. Donc voilà, je donne des cours tous les deux mois dans ce magazine-là aussi. Ça me permet de... C'est intéressant, ça me remet dans la dynamique d'écrire des cours en fait et du coup de rebosser moi-même des choses que je bosse plus parce que je bosse plus tant la basse que ça, mine de rien. Comme je suis plus dans une démarche de composer, je suis plus auto-centrée sur mon instrument. Oui, tu te détournes un peu de la technique. C'est ça, pour l'artistique. C'est ça, voilà. Après, j'ai jamais été très très attachée à la technique, à part il y a une époque si où j'ai un petit peu vrillé dans ma tête et j'ai travaillé le slap. Mais j'essaie d'oublier et de passer à autre chose. C'était interdit ça pendant un moment. Maintenant, ça revient un peu. Ah ouais? Putain, ouais. Ça y est, c'est mon moment. C'est toi. Tu nous fais un peu de slap. Alors là, on est sur une basse corde filet plat. Ah, donc, oui. Du coup, c'est pas ce qu'il y a de mieux, les précisions filet plat, mais oui, dans ces, jouer ce genre de petit pattern un peu rythmique. Ce genre de truc en fait que je faisais tourner, je fais plus. La difficulté, c'est d'intégrer ça à une chanson après, parce que là, c'est franchement pas évident. <C'est ça. rire> J'ai une idée. Allô, Pascal Obispo, je sais faire ça, juste ça, mais je pense vraiment que ça va marcher, hein, c'est vrai. Ah, ça peut, hein. On est toujours surpris par ce qui va marcher ou pas, on sait pas trop. Hein. C'est vrai. Donc c'est vrai, regarde le sax, regarde le saxophone, à un moment donné, il était partout dans le solo de sax. Et puis après, c'est devenu une ringarditude totale. Je suis d'accord, ouais. Et puis c'est revenu. Moi, à l'époque où c'était à la mode, j'étais pas fan. Ah ouais, pourtant, il y a des vrais fans de sax, quoi. Des gens qui. Ouais.
Ah oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui sont amoureux de cet instrument, mais genre, quand les gens kiffent le sax, ils kiffent vraiment. Ils kiffent vraiment le sax, et inversement. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ça. C'est sonore, ouais, alors on n'a pas le choix d'avoir un avis dessus. C'est très très sonore le saxophone. Ouais. D'accord. Bon, bah, c'est super tout ça. Bah écoute, ouais, du coup, je sais pas, on était au slap, et puis on était au slap. Bon, il est 18h25, et bah, il y a quelques personnes qui nous ont suivis, et on va laisser traîner la vidéo sur Internet, au hasard d'Internet, et peut-être qu'elle rencontrera des gens qui vont nous suivre et s'intéresser à la basse. Moi, ce que j'aimerais, c'est que des gens, ça leur permette d'avoir un rendez-vous régulier, ouais. De s'y mettre pour de vrai, parce que là, on est confinés, on est de pas faire quelque chose pendant cette période, parce que c'est vrai que ça nous déprime, on n'a pas l'énergie et tout ça, mais profitons-en pour faire un truc qu'on a toujours voulu faire. Et je trouve que la basse, c'est un instrument qui est vraiment, alors je suis pas vendeur de basse, hein, j'ai pas d'intérêt à ce que vous fassiez de la basse tous là, mais moi personnellement je trouve que la basse c'est un instrument de dingue, les émotions que ça a. Moi j'adorerais être bon en basse, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs je t'avais demandé de me donner des cours, et après j'avais un problème de temps parce que je veux faire beaucoup de choses, mais à un moment donné, on s'en était parlé. Avant que tu me dises, finalement, viens dans mon groupe. Ça sera plus rapide. Et du coup, moi, j'adorerais bien jouer de la basse, quoi. C'est vraiment un kiff pas possible. Et surtout quand on fait ses prods, c'est un gros plus, quoi. De se faire une ligne de basse. Enfin, c'est gros, gros kiff, la basse. Grave. Après, je pense que c'est bien aussi. Les accords, comment ils sont beaux quand tu fais des accords à la basse. C'est les accords les plus beaux du monde. Ça sonne bien, ouais, tout de suite. Ah, oh, c'est beau, quoi. Ouais. Ça me fait un peu le même effet que quand tu joues du... Merde, j'ai un trou de mémoire. Du piano c'est quoi ça? L'eau, les tiges, le cristal bâché. Voilà. Truc instantanément, ça te fait un truc, tu sais pas pourquoi, mais ça te... Ouais, ça te prend au trip. Un truc dans le corps instantanément, ouais. Mais ouais, ce que je voulais dire par rapport à, du coup, ces rendez-vous-là, c'est que ça peut être aussi l'occasion de discuter au-delà du fait de, par exemple, je peux préparer des choses. Ah, moi, j'adorerais qu'on discute, mais personne ne chatte. Mais c'est pas grave, hein, chacun fait ce qu'il veut, on force personne. Mais c'est vrai que l'idéal, ça serait vraiment que les gens échangent et disent « Tiens, moi, j'ai un problème là-dessus » ou alors, au contraire, « J'ai un truc à partager avec vous là-dessus » ou « Est-ce que tu pourrais me jouer ça pour me faire plaisir ?» Tout est possible. Par exemple, Ou même parler, tu vois, on parlait tout à l'heure, tu me disais, quand tu fais tes prods, tu fais de la basse et tout, parler peut-être des problématiques, encore si c'en est une, hein, ça dépend pour qui, mais de tous ces instruments numériques qui vont venir remplacer les instruments plus organiques, et forcément la basse est très touchée, parce que des basses électro, des basses synthé, basses électro, il n'y a que ça quoi en ce moment. Donc, moi je trouve que c'est difficile de remplacer un jeu de basse, bon déjà au Mediate quand c'est stylé, à la Gainsbourg et tout ça, ou alors tu sais quand il y a les glissés. En fait, quand tu fais des glissés, et ça, c'est vraiment un truc de feeling, d'en mettre plus ou moins de glissés. Il y a beaucoup d'instruments comme ça où le glisser entre deux notes, donc le glissando, le glide, quel que soit le nom, même sur une onde Martenot, par exemple, c'est ça qui fait toute la beauté, la sensibilité, le côté un peu poétique, c'est que tu entends une queue, tu vois, tu entends le tout petit slide, donc qui reste ou qui arrive, tu vois. Ouais. Pour citer un autre bassiste, Laurent Werneret, avec qui j'ai beaucoup joué, donc je connais bien son jeu. Ben, beaucoup de gens connaissent bien son jeu parce qu'il a joué avec beaucoup de gens. Moi, ce que j'impressionne chez lui, c'est que, en fait, des fois, entre deux accords, c'est bizarre de parler d'un autre bassiste à un bassiste, mais ce que j'aime chez lui, c'est quand il enchaîne deux accords, en fait, je suis très sensible à la façon dont il glisse plus ou moins. Sur un titre d'Animated, d'ailleurs. Voilà. On entend ça. C'était avant de te connaître, effectivement, il avait joué. Exactement. Et c'est juste d'une beauté, c'est juste hyper beau, quoi. Truc de fou, hein. Vraiment. Rien ne peut remplacer un vrai instrument, que ce soit la basse, la guitare, etc. Mais par contre, à l'oreille. Mais par contre, dans les maisons de disques, c'est différent. Je pense qu'en termes de, enfin, par rapport à des histoires. En termes de prod aussi, Ou de mode aussi, mode de son, quoi. Malheureusement. Il faut le dire, en ce moment, les musiciens de studio ne travaillent pas parce que toutes les prods sont très électro et jusqu'au point où c'est une identité musicale qui fait que si on fait un vrai instrument dedans, c'est bizarre, quoi. Mais bon, après, ça ne va pas durer. Ce qui est beau, c'est le mélange des deux. C'est les choses physiques et les choses numériques. C'est clair. ça va revenir. Mais c'est vrai que là, le Covid plus. Les musiciens qui ont moins de valeur, c'est un peu dur.
Ouais. Voilà. Bah ça, c'est aussi des choses dont on pourrait parler d'ailleurs sur, enfin, voilà, même dans le cadre de ce rendez-vous sur la base, c'est vrai qu'on peut diverger sur ce genre de choses parce que ça fait du bien de pas se sentir seul et d'en parler. Voilà, on n'est pas seul, on a 5 followers avec nous. ou alors dans tiens, regarde. Merci pour le live. C'était cool de découvrir une artiste talentueuse. Merci Marc et Cléo, tu vois, de chaleur humaine. Ouais, je le connais, je lui fais des bisous à Pierre. D'ailleurs, il me rappelle. Pierre. Donc, bon bah oui, c'était super. Bah écoute, je suis bien content d'avoir passé ce moment avec toi. Bah, en plus, comme aussi, ça, on se voit. C'est trop cool. Ouais. Et puis, je vais essayer au maximum de tes possibilités de te programmer sur ce truc de base pour que tu reviennes souvent. Et puis, si des gens veulent progresser avec nous, c'est un peu ce qu'on a envie de faire. Mmh. Ça, du coup, voilà, vous serez des super bassistes. Puis nous, on sera contents de communiquer ce qu'on a appris. Et d'échanger aussi, même pas, ça va pas que dans un sens. Hein. Mmh, bah grave, ouais. Voilà. Et ça peut être plus large que juste bosser la gamme mixolydienne par groupe de 4, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, c'était cool. Bah à bientôt, je vous dis je vous dis peut-être à la semaine prochaine, on va essayer de programmer ça de façon régulière. Et puis, ceux qui veulent nous aider dans cette démarche, n'hésitez pas à nous tipper. On a mis un Tipeee en place pour la chaîne. Et donc, voilà, si jamais vous avez envie de participer, de vous dire, bah tiens, ça peut, voilà, ça fait toujours plaisir. Écoute, à très bientôt. Bah ouais, on se voit bientôt du coup. On se voit bientôt. Ouais, on vous tient au courant, mais on va revenir pour la basse. Yes. La semaine prochaine. Salut. Bye bye.